Miabe gaya. Miabe gabenya. Est-ce que l'argent que le tonton, le grand frère va dépenser là, est-ce que c'est votre, ça vous appartient? T'es collègue quoi? Non. Oui, tu as vu la miniature, c'est l'histoire du docteur, du grand frère docteur Kodom. Voilà, au cours du week-end, il a fait une publication concernant manager confirmé qui a déclenché quelque chose. Qui a vraiment déclenché quelque chose? Il y a deux camps, voilà, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. En tout cas, si tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé là, je suis là pour ça, je suis votre l'homme. Hein? Jules K. Young Zog, nouvel épisode de Hello Talk. You already know. Let's go. On est tout dit, mais est-ce que vraiment on est tout dit? Ok. Lelo, c'est la vie. Ah ouais, docteur Kodom a fait une publication la dernière fois sur sa page Facebook qui a genre trigger people like et choqué à mon quoi. Il y a certains qui se sont vus, je sais pas, il y a vraiment des commentaires pas possibles sur cette publication là. Au fait, la publication en gros, docteur Kodom voilà dit vouloir apporter son aide. À l'Ivoirien, manager confirmé. Oui, manager. En fait, je vais vous lire sa publication. Voilà, vous allez comprendre quelque chose. Retenez la leçon. Les Toufanons chantaient parti de zéro pour devenir un héros. Eh bien, on peut partir de zéro pour devenir un héros. C'est mollo mollo que le poussin devient poulet plus tard, un coq pour réveiller tout un village. Que l'histoire de ce jeune manager confirmé le vrai serve de leçon à tout un chacun, celui qui décide et qui orchestre. Et orchestre tout avant son accomplissement, c'est Dieu. Lui seul choisit qui il veut, comme il veut et quand il veut. Je me retrouve pleinement dans cette histoire, raison pour laquelle j'ai pris très tôt une position pour ce jeune. Une histoire presque similaire avec les Toufanes Meli, mais ils sont restés humbles et fidèles. Merci aux Toufanes pour votre loyauté et votre reconnaissance. L'enfant qui s'est dit merci recevra toujours un cadeau. J'ai fini de parler. Je suis prêt à le pousser. Voilà, manager confirmé, bien sûr. Par une collaboration, Toufan et manager confirmé d'ici décembre, puis il a tagué Willy Dombo. Hein? Je veux vos avis dans les commentaires, mais allez commenter aussi les publications sur les émissions de santé sur SOS Docteur TV. Cette publication, dans les commentaires de cette publication, aïe, c'est gâté. Voilà, pour ceux qui ignorent qui est exactement manager confirmé dont il est en train de parler, voilà, manager confirmé est un Ivoirien, son histoire ou bien son buzz, permettez-moi de l'appeler comme ça, c'est quand il manageait un gars, un artiste aussi qui s'appelle Didier Congélateur, qui l'a amené à Abidjan et puis Didier Congélateur a fait des déclarations comme quoi il le maltraitait, il ne lui donnait pas de l'argent. Oui, il y a même une histoire qui dit que voilà, Didier Congélateur a dit que manager confirmé le gérait pas derrière aussi, le pseudo. Des trucs comme ça, oui. Tout est rentré dans un truc d'humiliation, de rabaissement de manager confirmé. Voilà, voilà. C'est comme ça, tout le monde a pris la chose. Voilà, il s'est fait humilier, les gens l'ont insulté, tout. Et puis voilà, il y a eu des rebondissements dans l'affaire de manager confirmé et Didier Congélateur, jusqu'au point où voilà, les gens ont vu en manager confirmé quelqu'un qui s'est fait humilier pour rien, voilà, qui s'est fait rabaisser pour rien. Et puis les gens ont essayé de le soutenir. On a cotisé pour lui. Il y a des gens qui lui ont fait des trucs, voilà, des gens qui lui ont fait des terrains et tout. Dans ça là, il a même fait une collaboration avec Kérosène. Et puis bon, c'est parti comme ça quoi. Voilà, et c'est comme ça, manager confirmé, l'histoire de manager confirmé de Didier Congélateur est devenue virale. Et puis voilà, ça a créé une sorte de popularité autour de la personne. Voilà, le gars est devenu populaire, célèbre. La dernière fois même, il a été invité par, je crois, le groupe VDA pour leur concert à Paris. Il a été invité à Paris pour, voilà.
Ouais, non. Mais si on peut faire des comparaisons, on peut dire que voilà, manager confirmé, c'est dans les mêmes gammes que voilà. Et ça est là-bas, gamme, voilà. Si je n'exagère pas. En tout cas, c'est comme ça, en quelques mots, l'histoire de manager confirmé. Maintenant, le truc, c'est que le gars est parti de rien. Il vivait dans un village avant d'arriver à Abidjan. Et puis, avec toute cette histoire-là, ses rebondissements, il est devenu en quelque sorte, voilà, célèbre aujourd'hui. Et il a sorti un son, il va sortir un son prochainement dont il a envoyé des teasers comme quoi petit voilà, petit à petit, ou bien mollo poulet devient quelqu'un, voilà, mollo poulet devient quelqu'un, voilà. Donc son histoire, c'est une histoire de voilà, parti de zéro, il est devenu célèbre, il a quitté son village et puis voilà, devenu célèbre d'un jour à l'autre et tout ça là. Voilà un peu l'histoire en quelque sorte de manager confirmé. Donc dans la publication de Dr. Kodomi, disait quoi? Que ça l'a inspiré. Donc il s'est retrouvé dans son histoire, voilà, tout comme les Toufans l'ont chanté, hein, parti de zéro pour devenir un héros. Voilà, donc il a décidé d'aider le jeune en facilitant une collaboration entre lui et Toufan. Et les gens sont fâchés. Les gens sont fâchés comme quoi, voilà, il est togolais, le showbiz ivoirien a évolué, a pris de l'avance, les artistes ivoiriens, voilà, évoluent très bien. Pourquoi il va aller encore soutenir un artiste ivoirien? Pourquoi ne pas soutenir un frère togolais? Et puis les gens sont là à lui proposer des gens, à lui proposer des gens, voilà. Mais de l'autre côté aussi, il y a l'autre camp, voilà, qui dit que le docteur Kodomi déjà a fait assez de choses, plusieurs choses aux artistes togolais. Et puis voilà, il n'est pas obligé, bon, de le laisser tranquille, quoi. Après tout, c'est son argent, il est libre d'aider qui il veut. Voilà, donc ces deux camps-là, voilà, derrière, dans les commentaires de cette publication-là. Mais je vais essayer de vous lire quelques réactions d'ici et là, des gens qui ont lu, voilà, ce post-là du docteur Kodomi. Il y a tout d'abord le journaliste New York TV, Florent Choubé, qui a dit ceci. Déjà, en lisant les commentaires, l'idée de collaboration Toufan Featuring Manager confirmé n'aura jamais lieu. Je peux comprendre le grand frère tonton docteur. Il est comme d'habitude dans la stratégie de la lumière pour la lumière, qui est fou. Bon dimanche. Voilà, c'est sa réaction pour lui. Voilà. Featuring Wem, j'avais mis Belabasso. Il y a aussi Seja Beluga qui a dit « Boss docteur Kodomi, mais soit là-bas, fait même chose que manager confirmé. » Ce que je disais. Ou bien c'est parce qu'il est togolais, il ne peut pas faire featuring avec Toufan. Et il y a Manu Togozi qui est du côté de ceux qui soutiennent bien le docteur, voilà, dans ce qu'il a, dans ce qu'il veut faire, voilà. Donc, il a énuméré plusieurs choses que le docteur, voilà, que docteur Kodomi a déjà fait pour le showbiz togolais. Donc, pour Manu Togozi, il a dit, en bref, sachez que la Côte d'Ivoire a contribué beaucoup à l'exportation des talents de nos artistes. Donc, si le bon docteur Kodomi décide d'aider manager en les mettant en relation avec les Toufan pour une collaboration, ce n'est aucun cas un crime. Donc, si l'aide manager confirme aujourd'hui, peut-être demain, ce sera le tour d'un autre acteur ivoirien de mettre en relation l'un de nos artistes qui sera dans le même cas que manager confirmé avec une star ivoirienne. Voilà à la conclusion que lui, il a fait à la fin de sa publication que vous pouvez lire sur sa page Facebook. Il y a après tout Wadio Radio. Il a fait cette publication. Ils ont fait cette publication là sur leur page. Quand ils ont dit l'influenceur togolais Kodomi. Et ils n'ont pas dit docteur Kodomi, mais c'est un docteur. Hein, mais eux, ils lui ont donné le nom d'influenceur. Ok. L'influenceur togolais Kodomi. Je suis prêt à financer le feat Toufan avec DJ Congélateur à valeur de 13 millions. 13 millions, moi. Bon, j'ai pas lu 13 millions quelque part dans le post, dans la publication qu'il a fait. Hein. En tout cas, je sais pas où ils ont trouvé 13 millions. En tout cas, moi, je lis. Il dit, je suis prêt à financer le feat Toufan avec DJ Congélateur. Non, c'est pas DJ Congélateur, c'est manager confirmé. Ok. À valeur de 13 millions de francs CFA. Rappelons que l'influenceur togolais cherche une place dans le showbiz ivoirien depuis un moment. Voilà quelques actions déjà réalisées. Donc pour eux, voilà, le docteur Kodomi cherchait une place dans le showbiz ivoirien, quoi. Hein? En tout cas, ils ont dit, voilà, quelques actions déjà réalisées. Il a financé du plus célèbre cuisinier à Amonchik. Voilà, il a financé à Amonchik. Bon, c'est eux qui le disent. Financement du faux pasteur Camille Makoso Richesse. Don de 300 000 francs à une comédienne récemment à Lomé. Voilà, c'était celle-là, non?
l'ex-copine de Ténor là, hein, Elise non. C'était elle qui était venue à l'hôpital la dernière fois. Donc elle a reçu 300 000 francs quoi. Ok, c'est eux qui disent. Voilà, on reviendra pour les dragues plus tard, le dossier en cours. Merci pour tout, monsieur l'inflation. C'est le Togo qui... Attends, on ne t'allait pas y aller. En tout cas, je continue un peu les réactions d'ici et là. Il y a plusieurs pages qui ne sont pas du tout d'accord. Il y a plusieurs pages qui ont fait plusieurs publications pour voilà, exprimer leur mécontentement, pour exprimer la façon dont ils sont contre l'idée du docteur Kodom de soutenir ou bien d'aider un manager confirmé à faire un fix avec les tout fans. Et dans les commentaires même de la publication du docteur Kodom, il y a Willy Dombo qui était venu faire un commentaire aussi pour dire waouh. Merci grand frère, véritable philanthrope, tes actions parleront toujours pour toi. Je crée le lien puisque voilà, il a été tagué dans la publication du docteur Kodom, donc il a décidé de créer le lien, voilà, pour faciliter les choses. Donc voilà un peu, voilà ce qui a un peu animé la toile pendant ce week-end là, l'histoire de docteur Kodom, manager confirmé, tout fan. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui pensent que ça n'aura pas lieu et tout et tout et tout. En tout cas les gars, je suis dans votre maison, vous aussi dites-moi ce que vous pensez de ça. Est-ce que c'est une bonne idée de, voilà, de laisser les nôtres et aller aider manager confirmé là-bas dans un pays où le showbiz est déjà avancé, où les choses vont mieux que chez nous? Voilà, pensez-vous que c'est plutôt mieux d'aider un frère togolais que d'aller aider manager confirmé? Voilà, quelque part aussi, on va dire, docteur Kodom, c'est lui, c'est son argent, il est libre d'aider qui il veut. Ou bien... est-ce que vous pensez aussi comme ça qu'il est libre d'aider qui il veut, qu'il ne doit du compte à personne et qu'il peut aider? Voilà. Dites-moi tout ce que vous pensez de ce sujet-là dans les commentaires. Voilà, mesdames et messieurs, je m'appelle Jules K. Youngzog. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de l'Hello Talk. C'est lundi, nouvelle semaine. Que la semaine soit bonne pour nous tous. Mesdames et messieurs, prenez bien soin de vous. Salut.